Louis XIV, le roi soleil. Le journal secret de Louis XIV, partie 8. Bonsoir à tous. Avant de commencer l'année 1691 de la huitième partie de, du journal secret de Louis XIV, je voulais vous lire... Je ne l'ai pas fait pendant Louis XVII parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire et que ça a duré bien plus longtemps que je ne le pensais, parce que surtout la, 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 la thèse de l'autopsie du prince que je vous ai faite. Euh, Louis XVI, dans sa prison du Temple, enseigna bien sûr euh, les mathématiques, la philosophie et l'histoire et la géographie bien sûr à son fils. Et il lui... Attends, Attends, euh, juste un euh, peu casse couille euh, Louis. Alors, on va. Faut pas parler pendant. On peut. Que... Non mais euh, en fait quoi. Hein. je vais... Allez, Comment. Il... Comment il a fait Supprimer des intervenants. toc Voilà. Donc. Euh, on va. Donc, euh, je vais. Je vais lire. Euh, donc, ce testament de Saint Louis roi de France à son fils Philippe III avant qu'il parte pour euh, la huitième croisade. Et euh, le testament lui a été lu, bien sûr, quand euh, Saint Louis est mort à Tunis. Beau-fils, la première chose que je t'enseigne est que tu mettes tout ton cœur à aimer Dieu, car sans cela, nul ne peut se sauver. Garde-toi de faire chose qu'à Dieu déplaise, c'est-à-dire mortel péché. Tu devrais même souffrir toute manière de tourment plutôt que de pécher mortellement. Si Dieu t'envoie adversité, souffre-la en bonne grâce et en bonne patience et rends-lui en grâce et pense que tu l'as bien desservi et qu'il tournera tout à ton profit. S'il te donne prospérité, l'en remercie humblement en sorte que tu n'en sois pas pire ou par orgueil ou par autre manière de ce dont tu dois mieux valoir car l'on ne doit pas Dieu de ses dons guerroyaux. Confesse-toi souvent et élis confesseur prud'homme qui te sache enseigner ce que tu dois faire et de quoi tu dois te garder. Le service de Sainte Église écoute dévotement sans bouder et rire, regarde ça et là, mépris Dieu de bouche et de cœur en pensant à lui dévotement, et spécialement à la messe à l'heure que la consécration est faite. Le cœur est doux et pitoyable aux pauvres et à ceux qui souffrent de cœur et de corps. Et les conforte et leur aide selon ce que tu pourras. Maintiens les bonnes coutumes du royaume et les mauvaises abaisse. Ne convoite pas sur ton peuple, ne le charge, ne le charge pas de toile, ni de taille, et si ce n'est pas trop grand besoin. Si tu as quelques afflictions de cœur, dis le aussitôt à ton confesseur ou à quelque prud'homme, ainsi la portera plus légèrement. Garde que tu aies en ta compagnie tout prud'homme, soit religieux, soit séculier, et souvent parlement avec eux, et fuis la compagnie des mauvais. Et écoute volontiers les sermons, ou public ou privés, et recherche volontiers prière et pardon. Aime tout bien et aie tout mal en quoi que ce soit. Nul ne soit si hardi qu'il dise devant toi paroles qui attire ou poussent à pécher, ou qu'il médisent par détraction. Ne souffre que l'on dise devant toi nul vilainie de Dieu, ni de ses saints, que tu n'en fasses tantôt vengeance. Rends souvent grâce à Dieu de tous les biens qu'il t'a faits, afin que tu sois digne d'en ne plus avoir. Pour justice et droiture gardée, sois raide et loyal envers tes sujets, sans tourner ni à droite ni à gauche, mais toujours droit. Et si un pauvre a querelle contre un riche, soutiens le pauvre pour que le riche, jusqu'à temps que la vérité soit éclaircie. Si quelqu'un querelle contre toi, sois toujours pour lui, contre toi, jusque l'on sache la vérité, car ainsi jugeons les conseillers plus hardiment, selon droiture et selon vérité. Si tu retiens rien d'autrui, ou par toi ou par tes devanciers, si ces choses certaines rend sans tarder, si ces choses douteuses fait enquérir par sage homme, en hâte et diligemment. À cela, tu dois mettre tout en t'attention que tes gens et tes sujets vivent en paix et en droiture sous toi, mêmement les bonnes villes et les bonnes cités de ton royaume et les gardes en l'état et en la franchise où tes devanciers les ont gardés. Et s'il y a chose à amender, amende-les et les redresse et les tiens en faveur et amour. Car par la force et la richesse de tes bonnes villes, les particuliers et étrangers redouteront de se mal conduire envers toi, spécialement les pères et les barons. Il me souvient de Paris et des bonnes villes. today. mon royaume qui m'aider contre les barons quand je fus nouvellement couronné. Honore et aime particulièrement les religieux et toute personne de Sainte-Église. L'on raconte du roi Philippe, mon aïeul, qu'une fois un de ses conseillers lui dit... Que la Sainte Église lui faisait grand tort et forfait, en ce que les clercs lui ôtaient de son droit et empiétaient sur sa justice, que c'était grande merveille qu'il le souffrit. Et le bon roi répondit qu'il le croyait bien, mais quand il regardait les bontés et les courtoisies que Dieu lui avait faites, il aimait mieux laisser son droit aller que susciter contestation ou scandale à la Sainte Église. À ton père et à ta mère, tu dois honneur et révérence porter et garder leurs commandements. Aime tes frères, éveille toujours leur bien et leur avancement, et tiens leur lieu de père pour les enseigner sur tout bien. Garde-toi que, par amour pour eux, tu te détournes de faire droit et que tu ne fasses à hauterie chose que tu ne dois. Donne les bénéfices de Sainte-Église à personne bonne et digne, et sur le conseil de prud'homme, et donne à ceux qui n'ont rien de Sainte-Église. Garde toi d'exciter guerre sans très grande délibération, et surtout contre tout homme chrétien. S'il faut la faire, garde Sainte Église et ceux qui n'ont rien méfait de tout dommage. Apaise au plus tôt que tu pourras, guerre et conflit soit tiens, soit de tes sujets, comme Saint Martin faisait, car autant que par notre Seigneur il savait qu'il devait mourir, il alla pour mettre la paix entre les clercs de son archevêché, et lui fut avis que, ce faisant, il faisait bonne fin. Sois diligent d'avoir bon prévôt et bon bailli, et enquière souvent d'eux et de ceux de ta maison comme ils se conduisent. Cher fils, je t'enseigne que tu sois toujours dévot à l'église de Rome et au souverain pontife notre Père, et que tu lui portes révérence et honneur comme tu dois à ton Père spirituel. Travaille-toi à empêcher tout péché, principalement vilain sermon, et fais détruire les hérésies suivant ton pouvoir. Encore je te requiers que tu reconnaisses les bienfaits de notre Seigneur et que tu lui rendes grâce et merci. Prends garde que les dépenses de ton hôtel soient raisonnables et mesurées. Enfin, doux Fils, je te conçure et requiers que, si je meurs avant toi, tu fasses secourir mon âme en messe et oraison par tout le royaume de France, et que tu m'accordes une part spéciale et plénière dans tout le bien que tu feras. En dernier, cher fils, je te donne toute bénédiction que bon père et pieux peut donner à son fils, et que Benoît de Trinité et tous les saints te gardent et te défendent de tout mal, et que Dieu te donne sa grâce de faire sa volonté toujours, de sorte qu'il soit honoré par toi. Et que nous puissions, après cette mortelle vie, être ensemble avec lui et le louer sans fin. Amen. Signé Louis. Voilà. Je vous ai lu euh, le testament de Saint Louis pour Philippe III, son fils, qui montera sur le trône et qui régnera quinze ans avant l'avènement de Philippe IV le Bel. Un Philippe III d'ailleurs assez méconnu, que j'aimerais, un de ces quatre, euh, vous narrer car ce roi a malgré tout eu un règne de quinzaine d'années qui n'est pas négligeable dans euh, la continuité de ce qu'a fait Saint Louis et dans ce que fera plus tard Philippe le Bel. Voilà clos euh, le, ce, cette petite euh, interlude, ce petit préambule. Nous allons maintenant continuer notre lecture de, euh, du journal secret de Louis XIV et nous, non, nous en étions à l'année 1691. Que je vais commencer à vous conter. Du 5 janvier, nous fûmes à Saint-Cyr et les demoiselles jouèrent pour nous Athalie, belle tragédie religieuse de racine. J'en fis grand compliment à Madame de Maintenon. La pièce en mérite de plus grands encore, mais il n'est point assuré que son sujet biblique, elle est inspirée du livre des rois, convienne à un large public. Le 15 janvier, par ordonnance, j'enjoignis aux nouveaux convertis de remettre les armes en leur possession. S'ils furent sincères en abjurant, ils n'ont plus besoin de ces armes. Du 3 février, je convoque à nouveau le banc et l'arrière-banc, non que mes armées aient besoin de gentillâtres ruinés et parfois paresseux, mais M. de Louvois pense que cette mesure va rappeler à tous l'importance de la présente guerre et la nécessité d'aider l'État à la soutenir avant de la gagner. Le 9 février, on sut la mort du pape Alexandre VIII, Oltoboni. Son pontificat n'a duré que seize mois. Du 28, ce mois-ci eut lieu de cours le cerf. Je pratiquois de préférence la chasse à tir. Le 22, j'allois avoir cependant volé pour la première fois de l'année mon père, lui mettoit la fauconnerie par-devant toute autre chasse. Hier, d'Aquin m'imposa son fameux bouillon purgatif. Il me fit sortir du corps beaucoup de bran et beaucoup de bile, dont je me trouvais bien. Du 6 mars, je suis duc, Monsieur le maréchal de Lorge, qui espérera cette grâce depuis deux ans. Le mardi treize, nous voit partis pour la Flandre afin d'y décider quelle place nous investirions dès la fin du quartier d'hiver. Du jeudi quinze, madame de Montespan me fait dire par Monsieur de Meaux qu'elle abandonnoit Versailles et prennoit le parti d'une retraite définitive. Monsieur Dumaine, qui a toujours préféré Madame de Maintenon à sa propre mère, a plusieurs fois demandé de ma part à cette dernière de quitter la cour, mais l'avoir fait en vain. Quant à Monsieur l'évêque Meaux, prit le relais, ATH comprit que ma volonté et toi sans faille. Elle s'y plia, sous la condition que son départ sembla déterminé par sa volonté libre. De fait, je voulois ces appartements pour établir M. Dumaine, et je ne supportois plus les éclats incessants de mon ancien ami. Lors d'une récente querelle, Madame de Montespan eut l'audace de me reprocher à propos de l'éducation de Mademoiselle de Blois, que je lui ôtoie ses enfants. Le 21 de mars, je dirige le siège de Mons. Comte de Toulouse y fit connaissance du feu ennemi. Comme le cheval de la Chenet s'abattoit sous l'effet d'un boulet, mon fils, il n'a pas tout à fait treize ans, dit aussitôt Quoi, un coup de canon, n'est-ce que cela Du 27, je souffre de la goutte depuis dimanche, mais aujourd'hui, j'ai pu aller jusqu'à la tranchée, montant même sur mon parapet, malgré les protestations de courtisans trop empressés. Du 30, je suis aujourd'hui que M. de Catina prit la ville et le château de Villefranche. Du 9 avril, Mons s'est rendu, la garnison en sortira demain. J'ai hier que M. de Catina s'est rendu maître de Nice, ville et château. Le 17, c'est avec plaisir que j'ai regagné Versailles. Du, 10, du 7 juin, M. de Boufflers, exécutant un dessin assez cruel de M. de Lelouvois, lança nombre de bombes et fit tirer des boulets rouges sur la ville de Liège. Le 14, M. de Catina prit Vélan. Le 30 mai, et Carmagnol, il y a quelques jours. Cette dernière place ne résista que trois jours, alors qu'il est défendu par mille hommes. Le 16 juillet, le marquis de Louvois mourut ce jour, peu après notre conférence de travail interrompue à quatre heures de relevé. Nous perdons avec lui un très grand serviteur de l'État, un de ces hommes rares comme on en voit trois ou quatre par siècle. Un ministre capable tout à la fois d'embrasser les plus grandes affaires et de vérifier le plus humble détail. Louvois se distingua au département de la guerre, ayant été formé par M. Tellier, son père, à la tête des fortifications et des haras, comme surintendant des bâtiments et comme responsable des postes. Il est, toi, chancelier de l'ordre de Saint-Esprit et grand vicaire de celui de Saint-Lazare. Il est, toi, très riche, mais faisois volontiers l'aumône. Il indisposa les généraux d'armée à trop vouloir. Dès 1673, établir lui-même les plans de campagne, il fut haï des religionnaires ayant encouragé les dragonnades. À heidelberg à Liège, dans toutes les villes bombardées et les pays ravagés, il fut et demeurera longtemps honni ayant trop imposé la guerre totale. Et pourtant, ce même homme fut bon catholique, ami sûr et généreux, bon parent et père des pauvres. Dangereux ennemi, Louvois fut souvent le meilleur des amis. Je donne le département de la guerre à son fils Barbezieux, à l'exception des fortifications qui seront un département pour M. de Souzy, qui est, le, qui est le pelletier et fort compétent. Le 23 d'Anjou a calculé que depuis la mort de Louvois, je travaille chaque jour trois heures de plus qu'auparavant. Du 25 juillet, monsieur de Louvois laisse un grand vide. Finalement, il est assuré qu'il avoie mon estime, mais je ne l'ai point vraiment alors que j'ai moi Colbert. Et le conseil des ministres se trouve aujourd'hui tout changé. Il siège désormais Monseigneur et le duc de Beauvilliers. Cependant que nous revient le marquis de Pomponne, trop longtemps, je le crois, écarté du pouvoir. Le 28, M. Colbert de Villacerf prend en charge la surintendance des bâtiments. Du 18 août, M. de Pontchartrain n'est pas vraiment satisfait de la longue croisière en Manche de M. de Tourville, du 22 juin au 13 août, que la marine commence d'appeler la campagne du large. Je ne craignis point de le contredire et prendre la défense de Tourville. La campagne du large a montré que l'Angleterre, même aidée de l'Hollande, nest plus absolument maîtresse des mers Le 19 septembre, je sus ce matin que mon vieil ami, le maréchal de la Feuillade, étoie mort hier à Paris, fort subitement. Il avoit conçu pour m'honorer la place des victoires un dessin qui lui fait honneur d'abord. Après avoir bombardé Barcelone à la fin de juillet, M. d'Estrée a pour tâche en septembre de faire subir le même sort à Alicante. Du jeudi vingt, vers les sept heures du soir, survint à Fontainebleau, venu au grand galop, M. le duc de Montmorency. Il nous apportoit la nouvelle d'un grand combat de cavalerie qui opposa hier à Leuze le maréchal de Luxembourg au prince de Valdeck. Les vingt-six escadrons françois ont vaincu cinquante-deux escadrons ennemis. La maison du roi, chargeant six fois, se couvrit de gloire. Monsieur de Luxembourg prit à l'ennemi 33 étendards. Du 11 octobre, je fis sans hésiter mettre à la Bastille le prince de Courtenay, lequel avoua commis un crime de lèse-majesté en se battant en duel à quelques pas de ma chambre. Du dimanche 21, toujours à Fontainebleau, ce soir, il y eut ici Comédie, où Baron, acteur fameux, joua pour la dernière fois. Je suis la mort de Banserad, lequel jadis suit de bien jolis vers pour les ballets de la cour Lully, se chargeant des airs et de la symphonie. Il est toi des quarante de l'Académie française. Le 24 décembre à Versailles, je fus mes dévotions et roi presque tout ce jour à la chapelle. Du 25, jour de la nativité, comme hier, j'ai passé presque toute la journée à la chapelle. Ce matin, j'appris avec une grande joie. Que M. de Catina avoir reçu le 21 de ce mois la reddition de Montmeillan. L'ingénieur Lapara fit merveille au long de ce siège et fut blessé. Le 23, nous avions édicté une ordonnance fort importante concernant la milice, ce service aux armées et aux forteresses récemment inventé par M. de Louvois. Ce texte porte que les jeunes hommes des paroisses tireront au sort pour le service de la milice. Le système précédent où les paroisses étoient chargées elles-mêmes des désignations a en effet rencontré trop d'obstacles et soulevé trop de protestations. Du 31 décembre, dernier jour de l'année, la guerre s'est poursuivie plutôt favorable à la France. La mort du marquis de Louvois eut plusieurs conséquences morcellement de son grand département, autonomie des fortifications, changement apporté au conseil d'en haut. L'évêque de Meaux entra en correspondance avec M. de Leibnitz, savant allemand et philosophe, au sujet d'une réunion des églises que d'autres espérèrent et croient réalisable. Mignard fit un fort beau portrait de Mme de Maintenon. Le bruit courut que M. de Louvois voit été empoisonné. C'est une rumeur, une rumeur sans fondement. Comme chaque année, à pareille époque, je me fais présenter désormais par M. de villasserf les comptes des bâtiments. Ils marquent un peu plus de dépenses que ceux de cent quatre-vingt-dix un million neuf cent sept francs, dont deux cent quatre-vingt-dix-huit concernent Versailles. Mais la guerre nous força d'interrompre les pensions et gratifications jusqu'ici accordées aux principaux gens de lettres, les armées en campagne et la marine nous coûtent trop cher. Voilà fini l'année 1691. Nous entamons maintenant l'année 1692. 1er janvier, le maréchal duc de Luxembourg ne vint point à la cérémonie de l'ordre du Saint-Esprit, ni Monsieur de Monaco, l'un et l'autre prétendant à un rang supérieur à celui que leur donne leur ancienneté. Je donnais l'ordre à trois chevaliers non encore reçus, parmi lesquels Monsieur le comte de Grignan, le soir, élu appartement. Le neuf, cet après dîner, je préparois le mariage du duc de Chartres avec mademoiselle de Blois. Madame, parvenue par monsieur, se trouvoie la seule personne à s'opposer à ce projet d'union mais, à huit heures du soir, en mon cabinet, elle me déclara en grimaçant. Quand Votre Majesté et Monsieur me parlèrent en maître, comme vous faites, je ne puis qu'obéir. Cette princesse supporte mal la réunion de mes deux familles, la légitime et la naturelle. Lorsque toute la cour vint la féliciter, on ne put lui tirer un sourire, la soirée durant. Je donne deux millions à ma fille et pour six cent mille livres de pierreries, je donne le palais royal à Monsieur et au duc de Chartres, je fis prévenir madame de Montespan à Paris. Le douze février, madame répand par tout son venin parlant de la mésalliance de son fils, tandis que la cour entière est pleine de joie et se prépare au mariage de mon neveu avec ma fille. Le 17, Ce soir se sont faites les fiançailles du duc de Chartres et mademoiselle de Blois, qui suivit un grand bal. Du dix le duc de Chartres fut uni à ma fille par monsieur le cardinal de Bouillon. L'habit noir de mon neveu toi tout brodé d'or, et son manteau alourdi des gros diamants de monsieur. Mademoiselle de Blois voit un habit en étoffe d'argent resplendissant de pierreries. Le soir nous eûmes le roi d'Angleterre, lequel après souper donna la chemise au duc de Chartres. Madame, malgré qu'elle en vue, Dû présenter la chemise à sa jeune belle fille. Le quinze de mars, aujourd'hui furent inaugurés au Louvre les appartements que j'ai donnés à l'Académie de peinture et de sculpture, qui ne pouvait continuer de rester au Palais Royal. Le dix nous eûmes à Versailles le mariage de mon fils, le duc Dumaine, avec mademoiselle D'Anguin, fille de Monsieur le Prince. Mes deux familles continuent de s'entrelacer, telles des branches en un épais taillis. Madame a retrouvé sa bonne humeur, ayant redouté qu'on lui imposât Monsieur Dumaine pour gendre. Le 1er avril, monsieur le Premier er Béringen mourut hier à Paris. Outre son office de premier écuyer, le bonhomme avoit les menus plaisirs et le gouvernement de Marseille. Il est toi chevalier de nos ordres, j'aime beaucoup Béringen, comme la reine, ma regrettée mère, la voit aussi estimée et aimée. Le 10 avril à Versailles, je tins conseil de guerre avec Barbezieux. Il n'a point l'autorité souvent irritante de son père, monsieur de Louvois. Chamelet et Vauban, peut-être y t il un chef d'armée. Le 11, j'ai corrigé le défaut marqué hier, Je un conseil de guerre, cette fois avec Barbezieux, Chamelet et le maréchal de l'Orge. Du 17, le gros de notre flotte qui est à Brest se prépare pour aider au débarquement du roi Jacques II sur les côtes angloises. Le 1er de mai, il me fallut faire monsieur de Lausanne, à la demande pressante, de la reine d'Angleterre, Duc. Le 10 mai, j'ai quitté Versailles pour rejoindre l'armée. Le vingt, j'eus plaisir à passer en revue mon armée et celle de Monsieur de Luxembourg, au total cent vingt mille hommes. Le cinq de juin, devant Namur, que j'assiégeois et qui capitule ce jour, j'appris la grande rencontre en mer, près Barfleur, qui vit Monsieur de Tourville avec seulement quarante quatre vaisseaux. Attaquer vivement quatre-vingt-dix-huit vaisseaux ennemis, tant anglois que Hollandois, et leur tenir tête douze heures durant, c'est toi le vingt-neuf mai. Le soleil royal y fut endommagé, mais notre flotte détruisit deux vaisseaux des coalisés. Le huit juin, devant le château de Namur, j'appris que nous avons perdu quinze vaisseaux échoués à la côte de la Hougue, dont trois se trouvaient désemparés par trop d'avaries du combat de Barfleur, les autres encalminés et exposés dangereusement aux assauts de ceux sans chaloupes adverses. Les équipages en furent sauvés, M. de Tourville et les officiers généraux de sa flotte s'exposèrent et luttèrent, mais ne purent empêcher l'incendie des vaisseaux. Du 1er juillet, la garnison du château de Namur, forte encore de 2000 hommes, quitta la place, ayant capitulé de la veille. Depuis l'ouverture de la tranchée du 29 mai, on assure que nous avons tiré ici quarante-cinq mille coups de canon. Le 2, escorté de Vauban, je passois en vue les régiments ayant participé au siège. Puis visite-toi le château de Namur. L'heureuse conclusion du siège me réjouit et je crois qu'elle me fait honneur. Je sais qu'il y aura des contestes et des critiques, ne fût-ce que chez les Huguenots, sortis du Royaume ou dans les gazettes d'Hollande, pour désapprouver notre manière d'entendre la guerre. Ils disent et ils diront que notre inclination vers la guerre de siège nous permet d'éviter les périls et hasards de Bellone et de Mars pour nous réserver succès facile et gloire factice. En réalité, je ne me suis jamais pris pour le dieu de la guerre, ni même pour Jules César. Ce n'est point moi qui commande les façons de la guerre. Durant celle d'Hollande, quand l'ennemi se cachoit derrière les remparts de ses places, comment aurions-nous pu emporter quelques batailles rangées? J'ajoute que nombre de victoires ont engendré beaucoup de gloire, mais bien peu d'avantages. Enfin, il faut songer à l'indécision de tout affrontement. Le ciel seul connoit le résultat des batailles. Faut-il miser l'avenir du grande nation sur un simple et unique coup de parti, exposer inutilement le prince au risque de mettre la révolution en la cité Nous savons que Epimondas perdit tout à Mantinée, omis beaucoup d'honneur et une gloire posthume. Que Richard III joie son royaume au dé à Bosworth, que le roi de Suède Gustave Adolphe mourut inutilement à Lutzen, tandis que l'avenir de son état se joie à quitte ou à double. C'est donc assez que j'investisse plusieurs places afin de donner l'exemple à mes généraux, que j'affronte à l'occasion la mousquetade pour la satisfaction des soldats, tout en cela ressortir au métier du roi. Au roi, je sers à ma manière, pour l'honneur de nos armes et l'intérêt de la France. Du 3, « Après avoir philosophé hier au soir sur le fait de la guerre et les devoirs du prince, ma nuit fut, fut faite de réflexions et de songes. J'ai d'abord pensé que le roi n'est point seul à s'exposer, dès lors qu'il expose la meilleure de sa famille. Ainsi monseigneur a t-il largué les balles et bravé les boulets à Philippebourg. J'ai ensuite pensé que nul souverain, sauf moi et le prince d'Orange, usurpateur d'Angleterre, n'a commandé en personne ses Armé depuis la mort héroïque de Gustave Adolphe. Enfin, il ne faut point confondre bravoure et témérité. Louis VI le Gros eut tort de risquer la mort ou la prison en combattant à pied en pleine mêlée. Et mon père Louis XIII le Juste eut tort de participer au corps à corps, au pas de Suse. Pour nous, c'est une voie moyenne que nous choisîmes celle de l'engagement, mais sans imprudence, du courage sans témérité, de la patience sans obstination, du commandement sans négliger les mises en garde. Lorsque sont réunis en une seule personne le pouvoir politique et le commandement des armées, alors même si cette personne n'est point César, toutes les chances de victoire, Dieu aidant, se trouvent réunies. Le 16 juillet à Versailles, les courtisans attendoient que je réprimandasse M. de Tourville pour le contre-temps de la hougue. Or, je lui dis, je suis très content de vous et de toute la marine. Nous avons été battus, mais vous avez acquis de la gloire et pour vous et pour la nation. Il nous en coûte quelques vaisseaux, cela sera réparé l'année qui vient, et nous battrons les ennemis. Le 4 août, le maréchal de Luxembourg emporta hier à Stenberg, dans le Hainaut, une belle victoire sur le prince d'Orange. M. de Boufflers l'y a fort aidé à la fin de la rencontre. Nous allons faire chanter Tedum. Le 8 octobre, j'ai fait bon repos notre ambassadeur au Danemark, puisqu'il n'y a plus d'intendant général de la marine et que M. de Pontchartrain enfuit le bouc émissaire de la déconvenue de la Hougue. Bon repos, pourtant, et toi, la marine, ce que Chamelet est pour les armées de terre, un conseiller irremplaçable. Là-dessus, mon vieux Toussaint Rose, lequel a la sagesse d'un solon, m'assure que les cimetières de France sont peuplés d'hommes irremplaçables. Le 2 de novembre, à Vincennes, mourut M. D'Enfreville, lieutenant général des armées navales, de la suite des blessures par lui reçues au combat de Barfleur. Le 10, il est mort à Paris, le surtaillement des réaux, homme de lettres, religionnaire, converti, il passoyait encore pour la plus mauvaise langue du royaume, le suétonne du pauvre. Du 12 novembre, par lettre patente datée de ce jour, je me plus à confirmer les privilèges de la ville de Strasbourg. Le 30 décembre, d'un jour à l'autre, nous allons apprendre que par la volonté expresse de l'empereur, le duc d'hanovre sera reçu et installé comme le neuvième électeur d'empire, le, lequel duc d'hanovre était jusqu'ici duc de Brunswick-Lunebourg. Les autres électeurs sont les évêques de Mayence, Trèves et Cologne, le roi de Bohême, à Nasbourg, le comte palatin du Rhin, le duc de Saxe, le maggrave de Brandebourg, un zollern et le duc de Bavière. Dieu merci, les princes catholiques restent les plus nombreux au collège électoral d'Empire. Le 31 décembre, Monsieur de Boufflers a investi Furne sous la surveillance de Monsieur de Cotte. Monsieur Keller parvint aujourd'hui à couler d'un seul jet ma statue équestre, celle que Monsieur de Louvois avoit en 1685 commandée à Girardon pour la place de Vendôme à Paris. Que retiendront nos arrière-neveux de l'année 1692 Tout ne fut point satisfaisant, car nous échouâmes à restaurer le roi d'Angleterre. Nous perdîmes provisoirement Embrun et Gap. La marine connut un échec notable à la Hougue. À l'opposé, nous prîmes Namur. Monsieur de luxembourg fut victorieux à Stenkerk. m de lorge l'emporta sur le prince régent à württemberg à, à pforzheim vauban à la ceinture de fer verrouillant la frontière entre le dauphiné et la savoie les dépenses des bâtiments ne dépassèrent point un million quatre cent quarante francs dont trois cent vingt-trois livres concernant à versailles soixante dix marly quarante mille la rivière d'Eure, cinquante et un la machine de marly et vingt-deux mille à saint-germain Voici fini l'année 1692. Nous allons maintenant entamer et commencer l'année 1693. Le 7 de février, ce matin, mourut à Versailles M. Pélisson de l'Académie, connu pour sa laideur, sa science et son esprit. Ses tribulations, il avait été ami de Fouquet et fut embastillé. Il conquit notre estime, quitta la RPR et travailla même beaucoup aux conversions. Il fut notre historiographe et aida aux mémoires pour l'instruction de Monseigneur. La mort le saisit si vite qu'il mourut sans les sacrements. Ses ennemis en conclurent que Pélisson et toi un faux converti. Je n'en crois rien. Lui garde toute mon estime. Il fut honnête homme et bon serviteur de l'État. 20 février, le prince royal de Danemark est enchanté de son séjour. Il loue Versailles, le bon ordre de nos troupes, l'amabilité du roi d'Angleterre et l'admirable courtoisie de notre grand veneur et ami, monsieur de la Rochefoucauld. Le 27 mars, je fis sept maréchaux. Tourville saura que j'ai oublié la hougue. Villeroi sentira mon amitié. De Catina j'attends encore beaucoup, comme de Boufflers, Les autres, Choiseul, Joyeuse, Noailles, n'ont point à se plaindre. Pourtant, faisant tant de satisfaits, je fais ce jour plus encore de mécontents. Ainsi va la vie de la Cour. Le 32 mars, ce fut aujourd'hui 54 officiers généraux et 64 brigadiers. C'est trop. M. de Louvois en eût demandé moins. Et que pensé monsieur de Turenne d'une promotion comptant vingt huit lieutenants généraux et vingt six maréchaux de camp? Que faire de soixante quatre brigadiers? J'entrevois des disputes, des jalousies, du désordre. Ces réflexions m'inquiètent. Faut il décider pour aussitôt regretter? J'ai cinquante quatre ans, je suis un barbon, je n'ai plus la vivacité de la jeunesse. Les rois, on l'ignore sottement, sont semblables aux autres hommes. Les princes orgueilleux l'oublient, et à Rome les empereurs se faisaient Dieu, afin de n'y plus songer. Le 5 avril, la duchesse de Montpensier, ma remonte et romanesque cousine, la grande Mademoiselle, mourut à Paris, en son palais du Luxembourg, après trois jours d'agonie. Qu'elle repose en paix, elle qui ne connut jamais la paix ici-bas. Elle ne voulut point revoir M. de Lauzun pendant sa maladie, ayant rompu avec ce gentilhomme en 1684 et l'avoir refait son testament en 1685. 9 avril. J'ai fait lire par Chamlet ce jour le texte d'un édit dont le contenu m'est cher. Cet acte crée l'ordre militaire de Saint-Louis, dont je serai grand maître perpétuel. Tout maréchal de France sera chevalier, mais il ne sera pas demandé de preuve de noblesse. Saint-Louis a pour but de récompenser le mérite et la valeur militaire, lesquelles vertus ne sont point le monopole de la noblesse. Le cordon sera rouge. J'attends beaucoup de cette, de cette création. Le 14, le comte de Bussy-Barabutin mourut à Autun. Dieu est son âme. Ce gentilhomme m'a toujours fort irrité, gâté par la naissance, plein d'esprit, courageux, bourré de talents divers. Il aurait pu être un grand écrivain comme Monsieur de la Rochefoucauld ou un habile capitaine comme le marquis de Créqui. Au lieu de quoi, il passa son existence à fronder, à conspirer, à médire, à contester, à réclamer, s'attirant des sanctions inévitables, un vrai gâchis. Le vin, les sieurs le nôtre et Mansart furent reçus ce jour chevalier de Saint Michel. Le seize de mai, le bonhomme, le nôtre, tout heureux de son cordon, me fit don de son cabinet de peinture. On y trouve la création de l'homme par le do, dominicain, toile splendide, mais aussi trois tableaux de, du poussin, dont le Christ et la femme adultère, jadis exécutée par le nôtre lui-même. Le public comprendra que si j'ai refusé jadis l'héritage du cardinal Marazin, Mazarin, dont une large part provenoit sans nul doute des deniers publics, je devoir accepter les dons du bon vieillard, le nôtre, mon très fidèle et honnête jardinier en chef, mon serviteur et ami. Son geste me touche comme on ne saurait imaginer. Le 27 juin, je suis revenu hier à Versailles, mon havre de grâce, quitté le 18 mai. Cela vient de ce que Quédois où nous fûmes, le 25 de mai, je souffris d'une méchante fluxion au col, laquelle me contraignit de changer mes projets et me fit renoncer pour cette année au moins à commander l'armée de Flandre. Si cette campagne devait vraiment être pour moi la dernière, elle aura eu lieu quarante-trois années après la première, lorsqu'au printemps de 1650, je fis le siège de Bellegarde. Peu de princes commandent en personne, peu furent à leur armée si souvent et aussi longtemps. Le 29, mon ami historiographe Boileau me fit remettre, à peine achevé, le texte de cette fameuse hôte sur la prise de Namur, qui depuis le premier jour de l'an fait la rumeur constante à la cour et à la ville. Il paroît que Racine a corrigé une ou deux strophes. Racine, qui à Namur se trouva à mes côtés. Je ferai compliment à Boileau d'Espréau, qui œuvre depuis longtemps sur ce poème. Il mit un an pour cent soixante vers, et qui a su retrouver le noble ton des grandes odes de Malherbe? Honorant le roi mon aïeul, la reine Marie de Médicis et le roi mon père. Il écrit modestement ma muse dans son déclin. Je le vais assurer que sa muse brille encore d'un vif éclat. Il est poète et donc, comme tous les gens de lettres, content de soi et de son œuvre. Et j'ai de l'affection pour lui. Nous l'allons donc couvrir de fleurs. Je ne saurais en effet lui faire part de deux sentiments qui me dominent après lecture de son ode. Je suis là des louanges. L'hyperbole fait souvent douter de leur sincérité. Je me sens assez proche du personnage d'Alceste dans le Misanthrope, du regretté Molière. C'est pourquoi, plutôt que l'ode sur la prise de Namur, ou plutôt que le sonnet de ronde, je pr préférerais lire ou entendre si le roi m'avait donné Paris, sa grande ville, et qu'il me fallut quitter l'amour de ma mie. Et pourtant, il faut bien l'avouer, je reste heureux et fier d'avoir pris Namur de l'orge ne s'est pas contenté du dégât de Hedberg et du ravage du palatinat l'on assure que son armée fait régner la terreur par toute l'allemagne m de beauvilliers ne l'entend point de cette oreille il affirme la nécessité d'une paix rapide et ne cesse d'en parler à mme de maintenon afin de me persuader indirectement le 10 juillet, à Marly, notre flotte a fait merveille. J'apprends son dernier succès. Le comte de Tourville, au large de Lagos, a intercepté le fameux convoi d'Osmyrne, et lui a détruit quatre vaisseaux et une frégate, et a pris quatre-vingt-dix navires marchands. C'est la revanche de la Hougue. Le 4 août, monsieur d'Albergotti me vint trouver à Marly ce jour, pour relater la belle victoire du maréchal de Luxembourg à Nervide. Au Brabant, sur le prince d'Orange, en foi de quoi il apporta cinquante-cinq étendards et vingt-cinq drapeaux. Notre armée a pris l'ennemi soixante-seize pièces de canon, huit mortiers et neuf pontons, et elle n'a fait pas moins de 1300 prisonniers. Le 5 septembre, redoutant une grande disette, nous édictâmes ce jour un règlement pour la police des blés. Une chambre veillera à leur juste distribution, interdisant et combattant toute spéculation criminelle. Monsieur de Pontchartrain ordonne la fabrication de nouvelles espèces. Cet expédient aidera à l'effort de guerre. Le 10, Monseigneur est de retour à Versailles. Il n'a rien pu entreprendre de considérable en Allemagne, mais ce n'est point de sa faute. Le 28, la querelle de la régale va bientôt, nous l'espérons, s'apaiser entre la France et Rome. Nous commençons aujourd'hui à distribuer des nations, des rations de pain à deux seuls la livre aux pauvres de notre ville capitale. Tous les curés de Paris en vont établir la liste et j'ai ordonné que l'on fasse des fours à pain au Louvre. Les Hollandois et les Anglois me pensent à tort éloignés de mes peuples alors que leur bien-être est ma préoccupation constante. On apprend que M. le Duc de Savoie accable sous les bombes notre cher Pignerol, que défendent seulement 4000 de nos soldats, dont une moitié seulement est valide. Vendredi 9 octobre, le Duc de Savoie dut lever le siège de Pignerol et fut vaincu. Le 4 par M. de Catina à la Marseille, Marseilla. dans ce combat se distinguèrent le Duc de Vendôme et son frère le Grand Prieur. Le 21 octobre, on distribua plusieurs dizaines de milliers de rations de pain à Paris pour les pauvres à deux seuls la livre. Dans les provinces, nos attendants ne sont occupés que de trouver blé et farine pour le peuple. Et M. de Pontchartrain va faire venir du blé de l'étranger. Le 2 novembre, je remercie D'Aquin, mon premier médecin, que remplacera M. Fagon, lequel est des plus savants. Le 21 novembre, il est arrivé à Dunkerque cent mille setiers de froment. Les mesures pour une juste distribution ont fini par porter leurs fruits et on maudit que le prix du pain diminue. Le 5 décembre, le bombardement de Saint-Malo par les vaisseaux anglois fit plus de bruit que de dégâts sérieux. Hier à Paris fut représenté l'opéra Médée, le livret et du jeune Corneille, la musique du sieur Marc-Antoine Charpentier. Le 25 décembre, jour de la nativité, le clergé continue de tenir son assemblée. Revint il y a quelques jours à la Rochelle la flotte du Canada, richement chargée. Nous avons avant-hier accordé au fils de M. de Pontchartrain la survivance de la charge de secrétaire d'État de la Marine. Le 26, le sieur Couperin devint notre organiste. Le 31 décembre, la guerre se poursuivit, qu'aggrave la froidure, lequel engendre disette et maladie. Nos armes, cependant, ont accumulé les succès. Afin de récompenser soldats et marins, j'ai fait frapper des médailles pour les services de mer et j'ai créé l'Ordre de Saint-Louis. Cette année, il y a eu Conseil des ministres le lundi, le mercredi, le jeudi et le dimanche. Conseil des finances le mardi et le samedi. Conseil de conscience le vendredi. Le Conseil des dépêches a presque disparu, absorbé qu'il fut par les autres sessions. Outre cela, j'ai travaillé les après-dîners, des lundis avec M. de Souzy pour les fortifications, et tous les soirs chez Mme de Maintenon, tantôt avec Barbezieux pour la guerre, tantôt avec M. de Pontchartrain pour la marine. La rudesse des temps a réduit les dépenses des bâtiments à un million deux cent quarante sept livres seulement, dont cent soixante quatorze pour Versailles et cent dix-neuf pour Marly. Quand le peuple a faim, nous ne saurions dépenser indûment. Voilà fini l'année 1693, je vais maintenant commencer l'année 1694. Le 2 de janvier, la guerre se prolongeant, j'ai diminué de la moitié le montant des étrennes de janvier. Monseigneur eut donc trois mille pistoles au lieu de six mille. Monsieur et madame, mille cinq cents chacun. Le duc du Maine et le comte de Toulouse, chacun cinq cents. Le jeudi sept, le froid fut tel que monseigneur, qui pourtant ne craint rien, a renoncé d'aller à la chasse, et dire que personne n'y fut. Le onze, nous luttons contre la disette. Des navires chargés de blé arrivent. Dieu aidant tant à Dunkerque Coavre. Le 16, je reçus à Versailles monsieur le maréchal de Catina, que je traitois avec honneur. Le soir, il se rendit chez madame de Maintenon. Le 28, la Grande Gelée nous interdit à nouveau de chasser. Le 4 de février, je fis une grande promotion de chevalier de Saint-Louis. 98 officiers des armées de terre, dont mon neveu monsieur de Vendôme. 48 des vaisseaux et 4 des galères. Beaucoup de généraux y sont compris, mais aussi nombre d'officiers particuliers et estropiés. Le lundi 1er mars, je passois en revue dans la Plaine Douille, mon régiment des gardes françoises et mon régiment des gardes suisses, les uns et les autres, tous de neuf habillés. Monsieur le Duc Delbeuf gagna de huit minutes sa gageure. Il à engagé d'aller de Paris à Versailles et le retour en moins de deux heures, dans une machine à quatre roues tirée par six juments. Ce curieux exploit qui avoit dit on tirer au long des chemins un peuple infini, montre assez bien que Versailles et Paris sont proches par la distance, comme ils le sont par les sentiments. Mercredi 3, mes lettres patentes de ce jour Forment règlement pour la maison Et communauté de Saint-Cyr L'œuvre si utile que nous devons à Madame de Maintenon Du 12 avril, lendemain de Pâques Il se produisit cela même que nous redoutions Monseigneur ne fit point ses Pâques Je l'entrepris là-dessus Il me répondit que veuf Et d'ailleurs attaché à Mademoiselle de Chouin il sont à contracter, comme son père Un mariage secret avec elle Il reconnaît trois de la sorte Les vertus de son ami Et c'est ce roi en outre de vivre dans le péché Спасибо. Il ne veut recevoir désormais la communion que lorsqu'il aura été uni à cette personne par les liens du mariage. Je n'ai point de reproche à faire à la dame, et il me plaît trouver cher mon fils un refus de toute hypocrisie, éloigné des moyens tortueux que j'employais jadis pour concilier mes débordements et mes devoirs. La demoiselle de choin n'est pas belle, mais fugace est toujours la beauté, la peau Fontange l'a prie. D'ailleurs, elle est douce, aimante et fidèle, estimée et affectionnée de tous, pleine d'esprit. Elle a de bonnes manières et le goût fin. Elle parfaitement le parvulo de mon fils, lequel est intime, brillant et recherché. Que monseigneur épouse donc sans fifre ni tambour de quels secrets se peuvent garder. Madame, qui n'est point sotte, qui est ma belle sœur et mon amie, ma compagne de chasse et de promenade, Madame ne sait pas encore que j'ai épousé Madame de Maintenon. Le 2 de mai, on parle à mot couvert des remontrances faites au roi sur plusieurs points de son administration. Un libel, un libelle fort satirique, paroît il, que d'aucuns disent être l'œuvre de monsieur l'abbé de Fénelon. Nul n'osa me le faire parvenir mais je vois mal monsieur de Fénelon embarqué sur cette galère, n'ayant toujours eu envers lui qu'indulgence et bonté. Le 5 de mai, avec l'aide de Monsieur le Premier Président, j'ai fait établir les lettres patentes datées de ce jour, réglées sur celles de Henri IV du 4 février 1610, en faveur de César de Vendôme. Ce texte assure à Monsieur le Duc Maine et à Monsieur le Comte de Toulouse le premier rang et la préséance aussitôt après les princes du sang et avant les pairs de France. Hier, notre neveu Vendôme présenta. Pour ce qui le concerne une requête au Parlement dans le même sens. Le 8, M. Dumaine, fut aujourd'hui reçu au Parlement, au rang nouveau prévu par nos lettres patentes du 5. Du 19, je pris médecine le ce soir, dans l'intention de quitter le quinquennat, repris depuis quelques jours. J'omis de rapporter à sa date l'achat par mois fait du palais de Luxembourg à Paris. Du 26, M. de Vendôme eut satisfaction d'après les lettres du 4 février 1610. Il sera reçu en Parlement avant les ducs et pairs, immédiatement après M. le duc Maine. Le 30 mai, en ce dimanche, fête de la Pentecôte, Monseigneur, Dieu soit loué, fit ses dévotions, parfaitement conforté qu'il n'ait désormais pas son mariage secret. Mademoiselle de Choin rayonne de joie et de bonheur, elle en paroît jolie. J'omis d'inscrire le 27 que l'on fit à Paris la procession de la chasse de Sainte-Geneviève afin d'obtenir du ciel la fertilité du sol et la paix. Le 4 de juin, le 27 de mai, monsieur le duc de Noailles l'emporta sur les Espagnols, sur le terre, c'est un petit fleuve. Quelques jours auparavant, monsieur de Château-Renaud avait coulé quatre forts gros vaisseaux espagnols au large de Tortosa. Le six, depuis quatre jours, Fagon entreprit de me purger six fois par jour, afin de me débarrasser de toutes mes humeurs. Il paroit que ce loi doit se poursuivre jusqu'au 20 de juillet. Le 8 de juin, le duc de Vendôme prit ce jour au Parlement le rang intermédiaire entre les princes du sang et les pères ecclésiastiques. Le onze de juillet, monsieur le maréchal de Noailles, qui s'est emparé de Palamos puis de Gironne, et fait par nous vice-roi de Catalogne. Nous avons anobli le sieur Barre de Dunkerque, lequel remporta une belle victoire au Texel et reprit à l'ennemi un fort convoi de blé. Il sera appelé désormais le chevalier Bar. Ces amateurs passés d'officiers en nos armées navales sont des hommes sans prix. Le 7 août, les Anglois nous ont bombardé d'abord Dieppe, puis ensuite le Havre à la fin de juillet. Le 19 août, on a pris la mort à Bruxelles du docteur Arnaud, que ses fidèles appelaient le Grand Arnaud. Voilà disparu un homme qui, depuis son avènement, mit puis entretint le trouble et la discorde en l'Église. Or, on attribue à Boileau d'Espréau cet épitaphe. Au pied de cet hôtel de structure grossière, gît en pompe, enfermé dans une ville bière, le plus savant mortel que jamais été écrit, Arnaud, qui, est sur la grâce, instruit par Jésus-Christ, combattant pour l'Église, a, dans l'Église même, souffert plus d'un outrage et plus d'un anathème. Le reste à l'avenant si vraiment ces méchants vers sont de haut, j'en suis fâché. Il lui aura fallu plus d'une année pour achever son ode sur la prise de Namur, et moins de dix jours à seule fin de trousser ses balivernes jansénistes, bien étrange et parfois la nature humaine. Du 24 août à Versailles, ces messieurs de l'Académie me vinrent présenter leur grande œuvre, un travail commencé en 1639 par Monsieur de Vaugelas, le dictionnaire de l'Académie françoise. Il est en retard de quatre ans sur le dictionnaire universel, qui a valu à M. l'abbé Furtière d'être chassé de la savante compagnie. Monsieur de m'ayant adressé son compliment, je répondis d'un ton grave, pour que nul n'y voie d'ironie Messieurs, voici un ouvrage attendu depuis longtemps. Puis tant d'habiles gens y ont travaillé, je ne doute point qu'il soit très beau et fort utile pour la langue. Le soir, j'en parlois à Madame, qui n'a jamais sa langue dans sa poche. Elle me dit « Savez-vous, sire, pourquoi ces messieurs mirent cinquante ans à écrire leur dictionnaire ?» À vous de me le dire, Madame, répondis-je. Sire, c'est parce qu'ils ont resté trop longtemps sur le cul. Le 27, l'armée de Monseigneur et du maréchal de Luxembourg exécuta une marche qui restera longtemps fameuse de Vignamont au pont d'Espierre. Du 22 au 25, quarante lieues en quatre jours. Cette marche surprit les ennemis et apporta du désordre dans leurs desseins. Deux fois moins nombreuses que celle du prince d'Orange, notre armée de Flandre garantit les frontières du royaume, de l'Escaut à l'Alli jusqu'à la mer, préservant aussi les plaines maritimes qui menaçoient la flotte ennemie. Le 10 septembre, le duc du Maine est désormais grand maître de l'artillerie, tandis que M. de Vendôme le succède en qualité de général des galères. 30 septembre, Dunkerque résista victorieusement aux entreprises d'une flotte angloise. Le 2 octobre, je souffre de la goutte depuis six jours et je n'ai donc pu chasser. Alors que Fontainebleau paroi battu à cette intention durant l'après-dîner, je me suis fait chanter en ma chambre les cantiques spirituelles Composé par Racine, d'après Saint-Paul, la musique, et de Jean-Baptiste Moreau. Du 6 novembre, on a nouvelle du sieur d'Iberville, qui prit Fort York aux Anglois. Mourut à Berlin Puffendorf, savant jurisconsul, disciple de Grotius. Le 23 novembre, je suis résolu de concert avec M. de Pontchartrain à établir une imposition nouvelle, la capitation que chaque paiera, même les privilégiés de ce royaume. Le 27 novembre, ce fut le tour aujourd'hui du comte de Toulouse d'être reçu en Parlement dans le rang intermédiaire prévu par nous le 5 mai. Monsieur le Premier Président y mit beaucoup de bonne grâce. Le 31 décembre, la famine continuant. Cette année fut marquée par nos efforts afin de nourrir le peuple. La marine fut sans cesse requise pour cet objet. On eut dit un essoufflement de la guerre sur les fronts d'Allemagne et d'Italie. Les alliés ont multiplié en vain leurs tentatives contre nos côtes. L'assemblée du clergé s'est poursuivie. Nous avons créé le diocèse d'Alais en taillant dans celui de Nîmes. Les jeux fleuraux de Toulouse sont devenus académies. On attache du prix de à Londres et à la création d'une banque d'Angleterre. Les dépenses des bâtiments à l'air en 1694 à 1 615 000 francs, dont seulement 207 000 concernant Versailles. Voici la fin de l'année 1694. Je vais donc maintenant vous faire l'année 1695. Le 1er janvier, les médecins n'espèrent plus rien du maréchal de Luxembourg. Le mardi 4, Monsieur de Luxembourg mourut ici à Versailles ce matin. Il fut l'un des meilleurs capitaines de mon règne, digne émule de Monsieur le Prince et digne de cette si glorieuse lignée de Montmorency, laquelle donna à ce royaume tant de chefs de guerre connétable au maréchal de France, monsieur de Luxembourg, et toi le fils posthume du fameux comte de Bouteville, qui eut le col coupé en 1627 pour avoir insolemment effraint les de notre père contre les duels. On ne compte plus ses victoires, Cassel, Fleurus, Leuze, Steinberg, Notvid, et le peuple la nommé le tapissier de Notre-Dame, tant il avoir apporté de drapeaux et d'étendards. Du 18, notre déclaration de ce jour établit dans le royaume un impôt de capitation générale destiné à compenser les lourdes dépenses d'une guerre qui semble ne jamais devoir s'achever. La dite imposition ne distingua point la qualité des contribuables. Les nobles paieront tout comme les roturiers. Mais leur rang, il y aura 22 classes. Ceux de la première classe devront 2000 livres l'an, 2000 fois plus que ceux de la 22e et dernière, et dernière classe. J'ai mis monseigneur en tête de la première classe, car il convient que la maison royale donne l'exemple. Les princes du sang, les ministres et les fermiers généraux seront en première classe, les ducs et les officiers de la couronne en deuxième, les chevaliers du Saint-Esprit et les présidents amortis en troisième, et ainsi de suite. De cette capitation, nous attendons beaucoup. Monsieur de Pontchartrain et moi, d'abord, de l'argent frais, ensuite plus d'équité d'un contribuable à l'autre, enfin un dévouement plus vif et général aux intérêts de l'État et du royaume. Le 15, il se confirme que la princesse d'Orange, qui se disoit indument reine d'Angleterre, mourut à Londres de la petite Vérole. Le 4 de février, je nomme à l'archevêché de Cambrai, M. l'abbé de Fénelon, précepteur des enfants de France. C'est un homme d'esprit et un homme pieux. Le 20, M. l'abbé Boileau, fuit aujourd'hui le sermon. Madame n'est point assez soucieuse de sa tenue. Sous le prétexte que les sermons catholiques sont trop longs, qu'en est-il vraiment des luthériens Elle ne cesse de s'endormir au milieu des prédications. Il le faut alors la fortement pousser du coude pour l'éveiller et lui aider à regagner une pause décente. Le 18 avril, il y a quelques jours, mourut à Paris La Fontaine, auteur de fables imitées de l'antique et de contes imités de Boccace. Je la vois laisser entrer à l'Académie Françoise sans empressement particulier. On a pris aussi la mort en Bretagne où il était au moine de M. Lancelot qui fut l'un des messieurs de Port-Royal. Le 1er mai, mes lettres patentes de ce jour portent restauration de la Compagnie des Glaces et renouvellement du privilège de ses manufactures. 14 mai. Le Parlement enregistra aujourd'hui notre édit d'avril concernant la juridiction ecclésiastique. S'il ne plaît qu'à demi aux longues robes, il satisfait tous les évêques de ce royaume, lequel voit leur pouvoir renforcé et confirmé. Le 29 mai, apprenant que le bonhomme Mignard venoit de mourir à Paris, je ne à point mon regret et je dis que désormais je me roi de premier peintre, pensant que nul ne pourra remplacer à talent semblable un Lebrun ou un Mignard le er de juin ce matin je proposerai à Monsieur de barbezieux de me céder meudon à l'intention de monseigneur si cela convient à Monsieur de louvois en échange de meudon elle aura choisi qui vaut bien cent mille francs et un généreux supplément de quatre cent mille livres l'accord ne tarda point et monseigneur est tout heureux de l'affaire le onze juillet notre règlement royal du 25 mai sur la guerre de course, diminuant la part de l'État sur les prises, est cause qu'on vit et que l'on voit sans cesse des armements considérables en tous les ports, particulièrement à Dunkerque et à Saint-Malo. Des prises continuelles contra contrarient fortement le commerce anglois et hollandois. L'armée de Catalogne est brillamment commandée par M. le duc de Vendôme, qui a remplacé le maréchal de Noailles en mauvaise santé. Hier, l'abbé de Fénelon fut sacré par M. de Meaux à Saint-Cyr. Le 19, Saint-Malo et puis Granville furent durement bombardés par des vaisseaux ennemis. Du 7 août, monseigneur de Harlay, archevêque de Paris, mourut hier sans crier gare ni avoir reçu les sacrements. Il toi de l'Académie française et l'un des plus anciens chevaliers de nos ordres. On le savait fort ami de Madame la Duchesse de Lesdiguières, car rassuré sur le dogme, il n'étoie point un modèle de conduite. Je plains celui qui sera chargé de son oraison funèbre. Et Madame de Maintenon déclare que la seule manière de tourner des obstacles sera de remplacer l'éloge de Monsieur de Paris par un simple et bel éloge de la vertu. Monseigneur de Harlay n'est point encore inhumé que déjà les rumeurs s'élèvent et s'étendent sur le fait de son, de, son cons, de son successeur. À la cour, certains déclarèrent déjà choisi Monsieur le cardinal de Janson. Monsieur de Forbin, je vais roi, bien des gens me reprochent de trop tarder à décider et de trop user de Je vais roi, lequel personne me fera un procès si mes réponses ou mes choix fusoient aussitôt mes venoient à leur déplaire. Le 13 août, on a des nouvelles de Dunkerque qui reçut plus de douze cents bombes, mais nul d'entre elles ne tomba sur la ville. Monsieur de Relingue, avec quelques officiers de la marine, en barque au devant des galiotes, afin de les tenir au large. Il parvint même à brûler une frégate ennemie. Les Anglois ne réussiront pas mieux à Dunkerque qu'à Saint-Malo. Du 16, en trois jours de temps, le maréchal de Villeroy ne lança pas moins de mille bombes sur Bruxelles, sans compter les boulets rouges et attisèrent maint incendie. Ce général prit la précaution d'écrire au magistrats que l'armée du roi de France ne bombardeoit leur ville que parce que le prince d'Orange ne cessoit point la bombarderie de nos ports. J'ignore si l'explication leur a convenu. Du vingt août, nous donnâmes le siège de paris à monseigneur de noailles évêque comte de châlons malgré les refus que lui inspirera sa modestie j'avais d'abord songé pour remplacer monseigneur de harlay à monsieur de meaux mais mme de maintenon me fut décidée de lui préférer l'évêque de châlons en général je refuse à Madame de maintenon toute intervention dans les affaires publiques et le sachant, elle ne s'y frotte guère, mais les nominations de prélats sont affaires d'église autant que politique. Et la piété si remarquable de Madame de Maintenon est capable, croyons-nous, de lui inspirer à l'occasion de bons choix. À Châlons, M. de Noailles fut un pasteur modèle. Exemplaire fut son ministère. Pourquoi changea-t-il une fois nommé à Paris Le 4 septembre, le 25 août, le duc Vendôme fit lever le siège de Palamos en Catalogne. On qu'avant-hier, M. de Bouffler durant la citadelle de Namur, une place investie par le prince d'Orange de depuis le 1er juillet. Nous allons, avant la fin de ce mois, le faire duc de Boufflère en érigeant en sa faveur le comté de Cagny. Le 7 septembre, le marquis de Nesmont, commandant une division navale, s'empara d'un fort vaisseau anglois et surtout prit six e diamants chargés de marchandises pour plusieurs millions. Le jeudi 8, je fis mes dévotions, mais il n'eut point à toucher les pauvres malades. Il toi point venu, ignorant que j'aurais fait mes dévotions. Le 10, j'eus des nouvelles du maréchal de Boufflers. Les ennemis le retiennent prisonnier depuis la chute de Namur, mais il lui témoignent des plus grands égards. Mardi 20 septembre, la médecine que je dus prendre me tourmenta plus que de raison. Le 21, je reçus longuement M. de Boufflers, enfin libre. Le 18 octobre, le clergé nous devra 4 millions pour secours extraordinaire, étant exempté de la capitation. Le 31 décembre, voilà comment se tiennent les sessions du Conseil et comment se fit notre travail au long de l'année qui s'achève. Le Conseil des ministres, il m'entoure Monseigneur, M. de Pomponne, M. de Croissy, M. le Pelletier, M. de Pontchartrain, M. le Duc de Beauvilliers, se tint tous les dimanches, un lundi sur deux tous les mercredis et tous les jeudis. Le Conseil des dépêches, qui s'occupe des affaires du dedans, du royaume et où m'entoure Monseigneur, Monsieur, Monsieur le Chancelier Bouchra, les ministres d'État, les secrétaires d'État en exercice et ceux en survivance. se tint, lui, seulement un lundi sur deux. Le Conseil Royal des Finances où m'assiste Monseigneur, Monsieur le Chancelier, le Duc de Beauvilliers, Monsieur le Pelletier, Monsieur de Pontchartrain comme contrôleur général et deux conseillers au Conseil des Finances se tint chaque mardi et aussi chaque samedi. Le vendredi matin, je tins conseil de conscience avec le père de la chaise. Tous les lundis soirs, je travaille avec M. Tsouzi, directeur général des fortifications. Presque tous les autres soirs, je travaillerai avec M. de Pontchartrain pour la marine ou encore avec M. de Barbezieux aux affaires de la guerre. Si l'on me demande, ce pourra être Madame, qui ne craint jamais d'interroger ce qui se fut le plus important cette année 1695. Je répondrai à coup sûr. L'impôt payé par tous. Lorsqu'un pays est en guerre et lorsque ses habitants aiment leur patrie, on ne peut mieux s'opposer à ceux qui le combattent. Ce souci que l'on pourra appeler patriotique, si ce mot existe fut aussi le nôtre cette année. Les dépenses des bâtiments n'ont point dépassé un million sept cent soixante dix francs, et sur cette somme, Versailles ne compte que pour cent cinquante sept livres. Eh bien voilà, il est vingt deux heures cinquante quatre. Je vais conclure cette euh, huitième partie de la lecture donc euh, du journal secret de Louis XIV et jeudi prochain nous continuerons pour la neuvième partie et l'année 1696. Je vous remercie. Nous espérons que le récit sur Louis XIV Partie 8 vous aura plu. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France, le journal secret de Louis XIV Partie 9.